Ça réenregistre. Je peux zoomer à mort. Tiens, l'antenne de Malzéville. Je cible l'antenne. Re tout le monde. Je cible l'antenne et je dis que je veux zoomer à mort dessus. Tu l'acceptes ou tu le refuses? Ah, je bouge trop, t'es fâché. Je peux pas t'en vouloir. Ouais, ça marche que sur trépied. Encore que, petit à petit, j'arrive à faire 1,5 de zoom. Allez, Ah, j'arrête tu de peux faire zoomer mes avec un truc, muses. c'est génial. Ouais, tu peux faire des trucs magnifiques. Mais là, non, je lui en demande trop. Alors, dis-moi, les batteries. Alors, la perche est contente, le téléphone n'est pas spécialement content. Il a un peu rechargé, mais pas assez. Tant pis, quitte à Ok. passer sur l'autre téléphone, on Ok. verra. Ou alors, non, je pourrais recharger, mais quand on sera posé à table. Allez, on Ok, avance. je comprends. Parce que le temps, du coup, est précieux si la batterie lâche. Oui, allons, ici. Allons, allons ici. Direction les moutes-moutes. Les Direction les moutons. Je sais qu'il y a d'autres sujets que j'aurais pu aborder. Je sais plus, j'ai perdu mes notes. Non, je resalue tes délicieuses galettes au miel. Bah tiens, je pense que j'en reprendrai quand on sera à table tout à Ouais. l'heure. Oui, bien Espérant que sûr. la table soit libre. On fera l'instant goûter à ce moment-là. Oh, j'aurais peut-être même le culot de te reprendre un peu Ce de serait café. génial. Enfin, on reverra. On reverra, on n'en est pas là. Ça fait des. T'enregistres par section, du coup, ça va te faire le tri. C'est bien ça. Oui. Oula, le trou est un peu trop béant. Oui. Je veux pas me cacher la figure. Nope. En fait, j'ai compris, les craquelures, c'est quand il n'y a pas de cailloux qui stabilisent la terre. Ouais. Là, il n'y en a pas, par exemple. Là, il y en a moins. Ça craquelle. Bah, un été, alors moi je vous rappelle que c'est mon grand rituel. Tous les étés, en général, je vais sur le plateau. Au moins une fois par été, c'est mon grand plaisir de Nancéen. J'espère que je vais pouvoir honorer cette habitude encore de longues années dans ma vie. Une fois, j'ai vu un chat, je sais pas comment on les appelle, les chats anciennement domestiqués qui retournent à l'état sauvage. Et j'en ai vu un sur le plateau de Malzéville. C'était waouh! Ils sont impressionnants parce qu'ils ont le poil complètement hérissé. Ils sont en mode, voilà, défensif total. Ah oui, comme la guisse. Et ouais, ils retrouvent leur instinct félin, mais à fond. Ah oui. Quand ils ont plus de maître et qu'ils sont plus domestiqués, quoi, voilà, tout simplement. Je pense que je n'aurais plus intérêt à glisser les lignes de guerre. C'est ça le truc. Ouais, bah oui. Ça aurait été compliqué. Il aurait gueulé tout le temps. Voilà, il va gueuler à 18h, il aura passé croquette, t'es pas Ah là. oui. Mais il attendra. Plus il croquette, plus il va C'est pas mal à lire pour les deux chats. Oui, bah oui. Il y a un peu de raisin. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien. Gentil, mais des fois il colle en vilain. Ah, il a son petit caractère. Ouais. Des fois il me mord. Ouais, parce que je veux. Je comprends pas ce qu'il veut. Il est pas content. Des fois il est content. Des fois il dit ah, stop, arrête de caresser, ça m'énerve. Deux fois c'est ah, cinq minutes. Il veut pas monter sur les genoux. Hein. Généralement, les chats mâles, ils sont plus à décider. Tandis que le chat Ouais. docile. Ouais. Faut savoir que j'ai sectionné un chat qui était plutôt. J'ai eu la chance de le voir chaton. Ouais. Et il était plutôt. Pas trop, pas très. Il n'y avait pas beaucoup de. Comment dire? De complicité au départ. Mais je trouvais un petit chat noir, je trouvais ça bien. Ouais, il Quand était même. réservé, il Oui, il n'était était pas un petit peu sauvage. forcément. Mais il était content quand il est venu chez moi. Ah, il était Ouais. flippé, content. Il a tout de suite épousé son nouveau royaume. Voilà. Ah, c'est bien. Alors, tu sais, la première chose que j'ai fait pour mon chaton, c'est que je lui ai montré où était sa litière, plusieurs fois de suite. Comme ça, il repère. Parce que les Ouais. chats, en fait, la mère les éduque. Ouais, bah oui. Tout de leur jeunesse, à aller dans la litière, à manger leur croquette, à ne pas griffer, à ne pas être agressif, tout ça. Bah oui. Alors, j'ai souvenir d'un conseil d'un spécialiste animaux qui disait quand vous, que ce soit n'importe une maison, peu importe votre logis de manière générale, et que vous avez un chat chez vous,
Il faut mettre à l'angle opposé la bouffe d'un côté et la litière de l'autre. Oui, et puis aussi là, l'eau, c'est pareil. Ils prennent la nourriture en bas et l'eau en hauteur à un autre endroit. Hein? Ce que je vais vous confier, je ne savais pas avant, mais je laissais les toilettes ouvertes avec la cuvette ouverte. Et monsieur, comme elle était plus haute, il allait boire dans la cuvette. Ah ouais? Bon, après, ça, la chasse était tirée, mais il allait boire. Oui, tu me rassures. Oh, c'est dégueulasse. Ah oui. Oh! C'est voilà, c'est pas la peine de préciser, oui, on devinait par logique. Oui, excusez-moi. Mais voilà, je dis ça parce que tu vois, un chien, il pourrait parfaitement boire dans une flaque d'eau comme ça. Ouais, bah oui, non mais c'est un félin. Ah bah voilà, on va s'arrêter un peu devant les moutes. Voilà, et le on truc, oui, là, c'est sa voix en hauteur et éloignée. Ah, et c'est des bonnes bêtes ces machins-là, des bonnes petites bêtes. Mais oui. Ah là là. Ça fait une compagnie. Bah tu m'étonnes. Moi j'aime bien aussi c'est de voir justement Poupon. Il est heureux avec ses deux félins de salon. Ouais. Fripouille est, je sais plus. Fripouille. Ah Fripouille c'est rigolo quand même. Ouais. Je sais plus. Oh il nous redira. Fripouille. J'ai déjà du mal à retenir les filles de. J'allais dire de cannelle. De Christella, oui. Cannelle et noisette. Cannelle et noisette, ouais, merci. Alors, j'aime bien la cannelle dans les jus de pommes chauds, c'est vraiment bon. Mais la noisette, peut-être en pâte à tartiner, c'est bon, mais en vrai, une noisette. Pas mon truc, mais la cannelle, c'est bon. Ouais. Donc les moutons sont pas loin. Juste là. Ah, je repense à la chanson à Mylène Farmer. Caché de moi un mouton. Ah, je connais pas. C'est caché de moi un mouton. Ces premières chansons étaient. Elle chante des fois. J'ai beaucoup de mal à être attentif à ces mots. Mais peut-être les premières chansons, elle articulait plus, non? Je pourrais pas dire. Je t'avoue que j'ai pas fait attention. Les moutons, c'est une chanson qu'elle. Chanter clairement, parce que souvent, quand on chante, c'est pas forcément audible les artistes des fois. Ouais, ouais. Quand on écoute plutôt du genre Brassens, une chanson ancienne, et ben c'est parfaitement audible. Ouais. Bouteille, ah, c'est marrant, moi. Je revois la Mylène Farmer avant qu'elle devienne rousse. Ouais. Ses premiers jours télé, quand elle a commencé sa renommée, elle était pas rousse, elle était cheveux noirs, enfin oui. Bref, assez court. Ouais. C'était rigolo. D'accord. Alors ça se trouve, tu regardes les archives de Lina. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour ceux qui les chanteurs qui articulent mal. Souvent, je donne l'exemple là, du côté américain. Jamiroquai, je me souviendrai toujours de la démonstration qui m'avait été faite par un de mes profs d'anglais au lycée. Qui disait qu'il parle comme un texan. C'est un... pas un compliment, hein. C'est péjoratif de dire parler comme un texan. Parce que normalement tu dis 20, tu dis 20, les Texans disent 20, voilà, va comprendre 20, voilà, oui. Pour 20. Ouais. Bah, Jamiroquai, il chante comme ça. C'est juste pas compréhensible. Ouais. Mais même pour les Américains et les Anglais eux-mêmes, hein, c'est vous dire à quel point ils articulent mal. Oui, pardon. Je t'en prie, t'as vu. La dernière fois quoi? Bah, la dernière fois qu'on avait vu les moutons, il y avait un peu moins et il n'y avait pas la barrière autour. Ouais, il était libre ouais. De se promener. Alors, parce que le bonhomme n'est pas, le fermier n'est pas là. C'est alors c'était pire que ça. C'est-à-dire que l'herbe n'était pas abondante. Ah. Donc pour pas laisser crever les animaux, ils avaient accepté de pas mettre de barrière. Je l'avais deviné. Parce qu'il y avait tellement peu d'herbe, c'était cramé qu'il fallait leur laisser toute la surface pour survivre. J'imagine, ne touche pas, tu vas t'électrocuter. J'imagine que c'est électrique. C'est électrique, ne touche surtout pas. Ça m'est arrivé quand j'étais gosse, vous pouvez voir qu'est-ce que ça faisait. J'ai sursauté, j'ai hurlé. Et je ne recommencerai plus. Oui, bah, t'as même eu du bol parce que. Non, mais je me suis douté que c'était. Oui, bah, rien qu'en pointant ton bras, fais gaffe qu'il n'y ait pas un arc. Ah,
Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, il peut y avoir un arc électrique. Je serais toi, je... tu joues avec le feu, là. Il y a des... des filaments de fer. Oui. Après, il ne va pas m'arriver dans le monde. J'ai connu quelqu'un. Oui. Ça va peut-être oui. Qui m'a bah, un pote, que, en fait, deux potes qui se connaissent depuis l'enfance ou de l'école, ils m'expliquaient qu'un des. Un de, bah, l'autre touchait les fils électriques comme ça. Et ça ne le dérangeait pas. Quoi. Alors il y a quelques humains, et je crois qu'il y a un russe qui s'était rendu célèbre par le. Merde, je fais peur. Voilà, t'as raison, oh mouton électrique. Il faut que je la boucle, j'ai fait peur aux moutons. Ah. Pardon les moutons, j'ai parlé trop fort, ils m'ont pris pour un prédateur. Désolé les moutes-moutes, je voulais pas. Ils étaient peinards. Okay, c'est ma faute. Années. Il y a quelques années. Voilà. Le mouton aide à entretenir la pelouse carrière en enjeu la biodiversité. Oui, il y avait un russe qui s'était rendu célèbre parce qu'il ne conduisait pas l'électricité. Il pouvait se mettre du 220 volts dans chaque main. Il n'était pas conducteur. D'accord. C'est rarissime. Évidemment, ne le faites pas. Mais je ne sais plus c'est quoi la propriété, c'est un humain sur je ne sais pas combien de millions qui ont cette propriété très rare de ne pas être conducteur, je ne sais plus. Ou alors il y a une truc astuce, il a des semelles en caoutchouc. Oui, ouais. Il y a ça aussi, ça joue évidemment, il y a peut-être aussi des entourloupes. Mais, oui aussi. Mais voilà, ne le faites pas, mais il y a un russe qui avait fait son beurre à une époque, sa renommée, pour se faire des pépettes. Tu vois, ils te le disent, clôture électrique. Il y a toujours un âne avec les moutons, c'est rigolo ça. Oui, il y a toujours un âne avec le mouton. Pourquoi, je ne sais plus, mais tu vois le pauvre mouton qui se remet. Il a compris que j'étais pas une menace, mais j'étais une nunuche là dans mon approche. Ils n'ont pas besoin de stress, les pauvres bêtes. Bon. Là, je suis content, ils ont de l'herbe, ils sont peinards. Je pense qu'un arc électrique. T'inquiète pas, j'ai pas de pacemaker. Si je prends un coup de jus, ça sera pas si grave. Ouais. Mais je serais toi, j'essaierai pas, hein, malheureux. J'ai pas envie de dire toucher ça quand j'étais gosse. Oui, bon, on retire la leçon, c'est très bien. Ah là 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 là. D'ailleurs, en parlant de culture électrique, justement, il y a une maison de vacances de mes grands-parents, il y avait justement un champ avec des chevaux, des vaches. Ouais. Il y avait des chevaux, en tout cas, il y a des chevaux qui ont réussi à passer en dessous de la culture électrique et venir jusque dans la maison. Oh. Ouais. Alors mes cousins étaient tout contents. Ouais, c'est génial, la broche, magnifique, tu vois. Ah, ouais, bah je te dis pas si le cheval s'est soulagé dans le hall de la ferme. Mais le truc c'était juste deux fils, donc il avait juste à passer. Mmh. Et gros, c'était creusé, il passait en dessous, mais il prenait rien. Non, donc, mais on m'a souvent dit que les chevaux étaient des êtres fort intelligents. Bah, j'avais une prof, toujours pareil, souvenir de l'enfance, enfin de lycéen. J'avais une prof de maths qui était fan de l'équitation. Et qui disait, mais vous saurez que les chevaux sont des animaux très intelligents. Quand on observe la forme de leur cerveau, ils ont un cerveau très, très bosselé. Et il paraît que dans la nature, la biologie, c'est un signe d'intelligence. Donc plus tu as le cerveau en, je sais pas comment dire, en tréfouillis, on va dire en sac de nœuds, plus tu es morphologiquement potentiellement intelligent. J'ai dit potentiellement, c'est très important. Ouais. Bref, voilà, ça me laisse rigoler. Je pense à Einstein. Il y a deux choses qui sont infinies dans l'univers. L'univers en lui-même, l'espace et la bêtise humaine. Encore que j'ai un doute pour la bêtise humaine. Tu veux dire qu'il n'y a pas de limite ? Enfin non, oui, non, c'est l'inverse, je l'ai fait à l'envers. J'ai un doute, il y a peut-être une limite finalement potentielle à l'extension de l'espace, mais il n'y a pas de limite à la bêtise humaine. Voilà, j'ai mal fait, mais vous l'aurez compris. Vous l'aurez comprise. Ouais, ouais. Ah bah, hey, c'est marrant que tu parles de broche de rosier. J'avais une plante que j'aimais bien qui était oreille de lapin. Je l'avais exhibée plus d'une fois fièrement en direct. C'était ma plante d'intérieur. Je prends pas le temps d'avoir des plantes d'intérieur parce que j'entretiens mal. Mais là, elle avait tenu. Et elle a claqué l'été dernier à cause de la chaleur. Hein, vous avez vu l'état du plateau. Bah, même ma plante, j'ai pas réussi à la faire survivre alors qu'elle était en intérieur. Elle a crevé. Non. Fini. Je suis tristounet parce qu'elle était magnifique. C'est peut-être des ronces. Ça peut être aussi des ronces ou là qui donnent des murs. Oui. Et proche de chez moi,
il y avait une ronce qui m'enquiquinait, qui était en partie sur un mur, et j'ai voulu la retirer parce qu'elle allait me gêner. Et j'ai été très surpris de voir que la ronce est venue du mur avec ses racines. Chose rare, il devait y avoir une poche de terre dans le mur, c'est là où elle démarrait au niveau de sa pousse. Du coup, j'ai eu l'idée saugrenue, comme j'avais beaucoup de racines de la ronce, et ben de la garder. Et c'est ma future plante, c'est une ronce. D'accord, tu auras des murs en plus. Je sais pas, mais il y a une feuille qui commence déjà à se développer. Donc, elle a bien apprécié le terreau dans lequel je l'ai installé. Ça pousse bien les trucs là, ça pousse partout. Bah, il va falloir que je maîtrise le truc. J'espère que ça va s'équilibrer, que ça va pas être trop envahissant par rapport à mon pot de départ et qu'à, enfin, pot de départ, on dirait que je fais un jeu de mots, mon pot initial et que ça va pas croître au point de faire basculer la base. Généralement, les ronces, c'est, enfin, toutes les plantes, quand tu mets un petit pot, ça fait une petite plante. Ouais, ouais. Le pot, ça la permet de se développer plus. Ouais, bah ouais. Des arbres, en fait, il y a moitié au-dessus, moitié en dessous, en racine. Normalement oui, mais les ronces, je me méfie. Je suis pas sûr que ce soit exactement la même mécanique. Comme c'est rampant et que c'est une liane au sol qui se transforme en, justement en racine quand elle sait qu'elle n'est pas aérienne, la nature est bien faite. J'ai peur qu'elle s'enroule d'elle-même dans tout le terreau, tout le pot, et qu'elle prenne un peu trop ses aises. Donc on verra de toute façon. Mais j'ai déjà vu dans la nature des vraies ronces, notamment sauvages. C'est impressionnant. Tu sais qu'on fait des choses en bois de ronces. Oui. Quand les ronces sont vraiment grosses. Hein. Oui, on fait des sculptures. En fait. On fait plein de... ouais, on fait pas mal de trucs. Et c'est impressionnant de voir une ronce qui a... Putain, c'est... Enfin, la nature est waouh. Ouais, ouais, ouais. On va peut-être aller jusqu'aux arbres avant de revenir en arrière. Ouais. Et de se diriger vers l'antenne pour retrouver la table. L'antenne qui est là-bas. Quand on sera à la table, ouais, ouais, qui est là-bas, ouais, je peux tourner un peu. C'est là-bas qu'on ira. Et je ferai le goûter avec Nayonet de 18h, à mon avis, il sera. Et donc, t'es arrivé à le faire tout seul, la balade? La quoi? Cette balade. Ça? Oui, le tour du plateau. Ah bah, tous les ans, je le fais depuis que je suis jeune adulte. Ou... Non, je le faisais seul avant. Ah d'accord. Je le faisais seul avant. Okay. Bah, j'ai eu très peu de sorties avec des copains ou même de la famille avant. Ah. Je me permets de te rappeler que j'étais aidant pour mon papa. Ah, oui. Et quand tu es aidant, alors, ça dépend des pathologies. Oui. Oui. Mais voilà, j'avais quasiment peu de liberté. D'accord. Donc en général, quand j'avais du temps libre et que mon papa était pas trop mal, ou qu'il était à l'inverse, il était fatigué, mais que je savais qu'il était couché, qu'il risquait pas de se mettre en danger en mon absence. J'en profitais pour m'oxygéner et hop, le printemps, été, je me barre sur le plateau et je me fais au moins un tour par an. C'est bien. Ouais, si, sinon tu, voilà, tu vacances. Pètes un câble. Bah oui. C'est ça, c'est les vacances du pauvre. Mais moi, ça me convient très bien. Oui. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Oui. Oui, je reviens sur le sujet de la foire, donc j'ai eu le plaisir à faire avec ma maman. Ah là là, la sacrée escroquerie, mais il faut y jouer, moi j'étais pas chaud. Et il se semble que j'ai rien gagné, même moi quand j'ai essayé. C'est les pinces. Ouais. Je sais pas si toi t'as déjà essayé. Trucs, ouais, ouais, ouais. Je ouais. sais que c'est le mec qui regarde derrière et qui dit, vas-y, je vais essayer des trucs, il a bien essayé de trouver la machine. C'est ça. C'est ça. Non, à un moment, j'étais pas content parce qu'une des machines que j'ai essayé, j'en ai essayé deux, trois. J'avais le temps d'armer mes 50 centimes, le temps que je mette l'autre pièce, je m'en saisis que je la mette, le compteur s'était réinitialisé. Alors, c'est bien, génial, le gars, il a gagné 50 centimes, j'ai pas joué mon coup. Là, j'étais pas très content, mais bon.
Ouais, non, ils devraient être indulgents avec la minuterie et le Oui. compteur de. Parce que te laisser moins de 10 secondes pour remettre la pièce suivante, merde. Ah oui. Quand t'as ta sacoche, que c'est au fond de la poche, ou t'es interpellé par je sais pas quoi de Ah oui, l'extérieur. non, Ouais, c'est abusé. Moi, j'ai pas apprécié, mais bon, bref. Ah oui. Non, par contre, j'ai gagné. J'ai gagné à la. Alors, pour une fois, j'ai pris l'assistance laser parce que ça m'amusait. Le forum l'avait proposé. J'ai fait la carabine à plomb avec, tu sais, les ballons dans les boîtes là. Ouais, c'est marrant ça. Ouais, et je suis content. J'avais 16 plombs, je crois, si j'ai pas de bêtises. Non, j'avais 12 plombs, je dis des bêtises. J'avais 12 plombs, je sais plus, j'en ai mis 9 ou 10. Donc, du coup, j'ai remporté un lot, j'étais bien content. Ah bah, je pourrais peut-être vous le montrer si je le déballe, si ça vous intéresse. J'ai gagné un mini-jeu de billard. Et je l'ai essayé rapidement le soir chez moi pour voir si c'était de la camelote ou si c'était bien. Et bah, c'est bien. Il faudra même que je prenne le temps de limer les embouts des queues du jeu de billard. Parce qu'en fait, il y a une imperfection, on sent le moule, tu sais, du jean qui a un peu dégueulé. Et il faut que, évidemment, le bout de la queue soit bien poli pour que, au niveau des boules, t'arrives à bien frapper. Je suis mort de rire par rapport, évidemment, au double langage que je suis en train d'employer. Oh, on dirait presque un crop circle. Le cercle au Ah oui, sol. le cercle vert plus Tiens, c'est connu. rigolo, il y a une machine cylindrique ou un gros réservoir qui a été posé là. Ça fait Oh. flipper. Bref, il faudra que je lime les queues pour. Ça vaut vraiment le coup de calibrer parce que ça répond bien comme un vrai billard. J'en revenais pas. Donc, de temps en temps, tu vois, tu es avec des copains, tu fais un apéro, tu es posé sur une table, tu te fends la gueule. Des pâquerettes au sol. Ouais, les belles pâquerettes. Classique. Un grand classique. Les jolies pâquerettes. Ouais. Voudoudou. Ah oui, non, j'ai. Ah si, si, j'ai l'indication de la perche. Attends, je bouge plus parce que j'essaye de lire sur le téléphone. On me dit que la C'est pas mal perche derrière, j'aime bien le paysage. est quasiment rechargée. Bon, on va le voir quand on va se retourner. Attends, je vais Je faire vais bien tenir essayer ma casquette comme de ça quasi parce que. mettre une photo en fait. Prends une photo, vas-y. Attendez, excusez-moi, je fais un peu nimp avec la Pas de perche parce problème. que j'en ai marre de tenir à la main ma casquette, comme il n'y a plus de soleil. Je vais tenir avec les scratchs, je la fais tenir sur les languettes de ma sacoche. Comme ça me libère ma main. Et j'ai plus de crampes. Moi, je suis un Nayonnais, le photographe. J'ai pris quelques photos, je suis content d'être ici. La mettre en fond d'écran. Je suis mort de rire de mon double langage de tout à l'heure. Je suis très gaulois là-dessus. Donc je pouffe de rire là. Je suis trompé de poche, c'est là. Hop. Ah là 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 là. Mais oui, la vraie verdure. Le bonheur. Là, il fait bon. Là, il fait comme j'aime. Le soleil de tapu, il y a de l'air. Oh, là, je me sens vivant. Oui, c'est bien. Et là, c'est con, j'ai moins soif du coup. Oui. Là, je me sens vraiment bien. J'ai moins mal aux jambes. Voilà, tout va mieux. On est complètement dans la nature Ouais. Ah là. Là, on n'entend presque plus les bruits de la ville. oh, oui. Et on est dans la forêt. Allons-y. Ouh, 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 ouh.
Ah, mince, j'avais pas vu qu'il y avait du monde qui arrivait. Attends, du coup, je vais pudiquement faire un 360. Une petite sauterelle qui est arrivée dessus. Oh, t'es fait agresser par une sauterelle. Là, c'était autre chose, je sais pas. Bon, écoute, voilà, on est carrément arrivé aux arbres, on va faire demi-tour, hein, excuse-moi, mais... Ok. Soleil. Le soleil donne la même couleur aux gens. J'ai déjà envie de passer des fleurs. Oui, du coup, je prendrai pas de risque, évidemment, d'exposer le beau matériel. Quand on sera, on va dire, en aval du plateau, qu'on sera revenu à peu près le long de la voie à nouvelle, là. La voie de raccordement que j'ai présentée tout à l'heure, à ce moment-là, je ferai la bascule du téléphone à perche vers celui que je tiens à la main. Et, de toute façon, ce sera moins intéressant. Bon, je sais que la partie ville est appréciée aussi. Mais voilà, on aura d'autres occasions. Parce que j'ai vraiment peur d'attirer les convoitises avec le beau matos en main. Ah oui, on voit à peine, ouais. Là j'aurais filmé les violettes s'il y avait un échantillon plus généreux, parce que c'était pas dit qu'on le voie. Il n'y en avait pas assez, c'était trop clairsemé. Ouais, c'est vrai que j'espère qu'on va avoir la table. Parce que je vais apprécier de reposer mes pieds d'ici une demi-heure. Ouais. Parce que le soleil redonne. Hein. Ouais, le soleil donne. Ah là 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 là. Bon, bah visiblement, on sera parti pour la destination est déjà choisie du prochain périple. On s'organisera, Nayona et moi, à faire la forêt de haies, qu'on connaît pas tous les deux. Donc je pense qu'on aura intérêt de se renseigner et de planifier quasiment à l'intersection, au carrefour presque, qu'on va faire. Il a largué le câble. Je pense pas que je puisse. Attends, c'est vrai que je fasse un essai de zoom. Oula, 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 oula.
la sélection merde. J'ai loupé le planeur, mais comme j'ai fait une sélection, la perche refuse de regarder vers le ciel. Ah merde, il y a trop de lumière, je vois plus. Elle est où ma croix pour dire je veux plus de sélection? Je sais plus comment on fait avec le jeu de touche. Ou alors ça s'est barré. Oui, la cible s'est barrée. C'est bon. Ah, je filme trop le sol, je crois. Attends, il faut que je recadre. Ouais, je repense qu'avec ton gobelet, je vais t'en chipper du café. Ça va me faire plaisir. Ouh, que ça va me faire plaisir. C'est ça. Exactement. Je peux aussi observer le silence, ça m'arrive. Non, puis je commencerai assis à table, je lirai mon mémo de sujet de conversation. Ouais, bah tiens, pour revenir encore au sujet de la foire, mais un autre sous-sujet. Ils s'étaient fait pincer l'année dernière, ils avaient été pas malins, les forains. Ils avaient mis 3 écriteaux à 2 jours de fermeture de la foire et en disant on cherche de la main-d'œuvre, on vous embauche pour le démontage des manèges. Je pense bien que l'inspection du travail avec tous les organismes de l'administration qu'on a à Nancy, ils ont fait une descente. Et j'étais mort de rire quand j'avais lu le papier dans le journal local. Il y avait eu 11 patrons forains qui avaient été mis à l'amende pour travail dissimulé, pas déclaré. Voilà, ils payaient au noir. Très forain, ça. Enfin bref, ils assument leur. Hein? Okay, c'est ça. Donc les fonctionnaires se sont fait une joie. Je pense pas, alors j'ai pas vérifié, mais je pense pas qu'ils ont réédité la même erreur cette année. Sachant que j'ai vu là récemment un article où ils étaient moyennement satisfaits. Ils avaient déjà reporté d'un jour l'ouverture de la foire, ils auraient dû faire le 31 mars et ils ont fait au 1er avril. Parce qu'il y avait une tempête, je sais plus, il y avait un mauvais temps. Il y avait du vent, et puis des gens sont moyennement venus. Bon, bah, c'est lié aussi au contexte économique, hein, on se voit pas la face. Et par contre, là où c'était content, qu'ils ont fait carton plein, ils ont pris un peu des couleurs en fréquentation et finance. Le week-end de Pâques, il paraît que le week-end de Pâques c'était noir de monde à la foire. Là, les forains se sont frottés les mains. Oui, bah oui. Et ils peuvent pas m'attaquer pour diffamation puisque j'ai gardé l'article de presse. J'ai la preuve qu'ils ont été mis à l'amende. Ce ne sont point de calomnie. Non, mais en même temps, c'est pas très malin. Je comprends d'un côté, mais bon, bref. Ah là 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 là. Mais je sais plus qui avait témoigné dans la communauté d'Aérosteur. Bon, salut. Qui voulait se devenir forain. Ça m'avait surpris. Je sais plus qui c'est, on lui souhaite bonne chance évidemment, mais waouh, j'étais impressionné. Surtout que t'as intérêt à voir le physique. Hein. Forain, c'est. Pour bosser, c'est dur. Hein.
Je parle même pas du fait d'avoir des revenus, ça dépend quelle activité tu fais, mais tu as quand même des responsabilités, tu as les inspections si tu tiens un manège. Même d'ailleurs un simple camion, c'est particulier. Ouais, bah oui, tu parles avec tout le matos qu'ils ont, ils sont obligés. Ici le covoiturage. Ouais, bah, il est passé où l'âne? Ah, il est au milieu des moutes-moutes, je crois. Je crois. Ah non, il est passé là-bas, pardon. Il est caché par la végétation. Ah oui, merde. Ah merde, j'ai un ami qui pleure. Je vais peut-être débrancher là. Elle va être suffisamment rechargée. Pourquoi t'es énervé? Oh mon pauvre. Oui, bien sûr. Ouvre tes chakras, détends-toi, pense aux ondes alpha. Bon, j'ai filmé de côté parce qu'il y a des promeneurs. Ah, j'ai filmé de côté là. Oui, tu dis. Hein. Je vois déjà mon pif rouge. J'aurais pris ma dose de soleil. Ça commence. Je me vois en reflet du téléphone. Ça commence. Ouais, ouais. Je vais avoir le pif bien rouge demain. Ah, ça te fait rougir en... Je avec pense que... Ouais, mais... Prochain direct Twitch, je pense que vous allez rire de moi. Ah. Vous allez voir que j'aurai pas la même teinture de peau. Je pense. Oh, j'y suis hypersensible. Moi, je pense que si j'ai pas mis mon cou autour du cou, je pense que demain, j'aurai des coups de soleil. Ah, ouais. C'est ça que je me fais comme ça. Pas que j'ai froid, mais c'est que j'ai des coups de soleil. Ouais, c'est vrai que coup de soleil, oui, j'ai un risque, bonjour. C'est vrai que, ouais, coup de soleil, il y a un risque, ça tape déjà bien. Hein. Ouais. Et on est à peine tout juste début mai. Hein. Mais, merde, je suis bête, je peux refilmer devant, ils sont passés. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, coup de chaleur, là, en Espagne, sud de l'Espagne, ils ont déjà 40 degrés, ils sont déjà sous la menace d'une pénurie d'eau potable, enfin, ça craint. Ça craint. Surtout qu'ils font là-bas, ils font la culture intensive de fruits et légumes. Ouais. C'est un climat propice à la culture de fruits et légumes. On voit un peu trop à fond. C'est limite le grenier, limite le potager de l'Europe. Eh oui, tu dis vrai. Ouais. Est-ce que ça va durer? Avec le changement climatique, c'est pas dit. Je vais tourner la caméra parce qu'il y a d'autres promeneurs. Ouais. C'est bien, vous voyez la verdure. Je vous présente la verdure. Oui. Bonjour. 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 Attention, je vais.
paysage, hop. Ce chien, il regarde, c'est super, il s'est écarté un petit peu. C'est un peu plus créatif. Oui, bah oui. Ah là là, avec le soleil, je vois pas si je cadre bien, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. J'espère que quand elle filme bien, elle pourra que le soleil en face. Ouais. Je t'avouerai que le téléphone m'a parmi l'alerte, il me reste 20% de batterie. Donc je m'en sors plutôt bien. Je vais le rebrancher quand on sera posé à la table et que j'aurai déployé le trépied. Donc à mon avis, la pause, elle va durer au moins une demi-heure. Que nous tous, on se recharge des batteries. Puis on verra en fonction de l'horaire, de notre état, si on fait une petite partie boisée en hauteur avant de descendre, rentrer sur la ville. Oui, t'inquiète pas, tout à l'heure, il y a moyen. Ouais, bah, mémorise, et puis tu me diras après. Chaque chose a son temps. Bon, on s'en approche dans, je pense, dans un quart d'heure, 20 minutes de marche, on est à la table. Un quart d'heure, 20 minutes encore. J'ai envie de dire que vous êtes vénard quelque part parce que nous on a l'effort de la marche. On sait bien, on s'entretient au niveau santé. Oui, bah ouais, mais même le faire régulièrement c'est bien. Ouais. Tu sais qu'une demi-heure de marche quotidienne c'est excellent pour le corps humain. Marathon, moi je faisais de la marche rapide, c'était, en plus c'est sympa et ça évite de se casser les pieds en courant parce que courir, quand tu cours, tu fais des articulations. Quoi. Mmh. Ouais, tu muscles tout. Tu choques, avec la marche rapide c'est plus doux. Mmh. Ça fait aussi battre le cœur, c'est cardio. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une étude qui est tombée encore santé, ouais, qui disait le fait de faire une demi-heure de marche, oui, quotidienne et se lever à l'aube en même temps que le soleil, on est programmé biologiquement pour ça. Tu gagnes potentiellement 10-15 ans de longévité. Ça déconne zéro. Ouais. Ouais, ouais. Bah à la base, hein, on était une espèce nomade. Hein. On est devenu sédentaire après. Mais morphologiquement, on n'est pas fait pour la sédentarité. On est censé bouger tout le temps. Allez, on tourne à gauche. À gauche toute. Yep. La barre au 108. Je pourrais plus te dire, je retiens pas les génériques de musique de film. Ça fait partie.
choisi les films de musique jeux vidéo, les musiques vraiment classiques. Ouais, il y en a qui deviennent rap. Moi j'écoutais un peu Williams, c'était pas trop mal, mais les autres j'arrive pas. C'est pas de la musique classique. Je suis allé chez moi avec mon sœur, la musique classique, à Sainte-Poirée. Ah ouais? La première fois que je suis allé, c'était génial. C'était normal, la deuxième fois c'était fun. Pourtant c'était même si, c'est pas changé. C'est beaucoup moins apprécié. Toutes les, on va dire que toutes les représentations Sainte-Poirel n'étaient pas d'égale qualité. Ils avaient fait justement à Sainte-Poirel, ils avaient fait le concert strategique de Star Wars. Star Wars. Et moi ce que j'attends, c'est la musique de jeux vidéo, différents jeux vidéo. Ah oui, les grands thèmes de jeux vidéo. Si il y a ça, je t'avertis tout de suite. Je t'informe tout de suite. Ouais, volontiers. Ouais. Avec plaisir. Salle Poirel, je crois qu'elle est fermée. Je crois qu'il y a un incident. Ah merde. Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai vu un gros titre, toujours dans la presse locale, qui date pas plus tard de ce matin, mais je l'ai vu sur une vitrine pour accrocher le client à acheter le journal. Et il y a dû y avoir un incident à, je sais pas, à Poirel, peut-être technique, je sais pas. Et ça m'inquiète un peu parce que je crois que c'était au Zénith, pas à Sainte-Poirel, que normalement il y avait Enrico Macias qui est censé se pointer le week-end qui arrive sur Nancy. Donc mais je crois qu'il fait le Zénith, hein, il a une renommée. Ouais. Mais je sais pas pourquoi la Sainte-Poirel, normalement elle est accidentellement fermée. J'ai pas compris pourquoi. Je vous donnerai sûrement l'info dans le chat au moment de la diffusion Twitch. J'aurai eu l'info d'ici là, je pense. Des fameux effets quand on regarde trop le sol et qu'on avance. Oui. Quand on regarde de loin, ça se. Ah, l'effet de profondeur. Ah oui, la chaleur qui se dissipe. Non, l'effet de zoom, tu vois. Ah, zoom. Les premiers et deuxièmes plans. Oui, la profondeur. Oui, la profondeur. La chaleur, il n'y a pas encore ça. Ici, si. C'est plutôt pas trop chaud. Donc, il fait combien? Je vais voir ça. Non, je me suis encore trompé. Comment ça? Ah, je rentre le code, mais je bute d'un doigt à chaque fois. Oh mon pauvre. Hop là, c'est bon. Alors, il fait. Oh, 24 donc. Degrés? Ouais, 24 degrés. Celsius, oh mon dieu! C'est un peu trop, baissez la température s'il vous plaît. Ah. Voilà, quand ouais, le soleil dissimulé, ça fait du bien. Chez moi ce matin, il faisait 22, je crois, 21,5. Oh vache! Moi j'ai pas pointé ce matin, j'ai pas fait gaffe. Oui.
matin, je commence à avoir une petite soif. Tout ça me gratter le stock dans la gorge. On va pas tarder à s'arrêter à la table. D'ailleurs, je me demande si je peux pas la filmer d'ici la table, sur le côté droit. Ouais, c'est marrant, l'herbe est plus haute en bas. Ouais. Ça n'a pas été brouté par les moutons, c'est ça? L'avantage, quand je fais une météo comme ça, les chaussures ne se salissent pas trop, il n'y a pas trop de poussière, il n'y a pas de trucs de boue, comme il n'y a pas de poussière. C'est le moment idéal pour faire la promenade. Ouais, c'est cool. C'est cool. Alors ça, je vais voir si c'est électrique, je vais tester. Tiens, nouveau jus. Un insecte qui s'est posé sur mon verre de lunettes. Oui, on va à la baraque. La petite cabane entre les arbres, là. On va y aller. Enfin, la table qui est juste devant. Attends, je vais peut-être ralentir un peu. Si, coup de soleil, hein. Ça se voit que mon bras est... Enfin, je le filmerai quand je serai à table, mais... Si, je me mange un coup de soleil, là. Moi, j'ai préféré mettre du branchement. Ouais. C'est pas plus mal. Oui, on la fera au moins une fois par an. Mais là, comme on démarre tôt la saison de promenade, je te dis, je pense que fin août, septembre, on sera à la grande boucle forestière du plateau, ce sera bien. On va faire l'intro et la... Enfin, l'entrée et la sortie de l'ouverture, clôture des promenades de l'année. Plateau, ça me plaît beaucoup. Alors, le vent doit couvrir le bruit du chant des oiseaux, mais nous, on l'entend. Ah merde, il y a quelqu'un qui hurle dans un hygiaphone sur l'aérodrome. Je repense à une séquence comique des Simpsons. Il y a le jeune de la famille Bart qui voulait faire l'idiot et faire un test. C'est justement d'activer à la queue leu-leu toute une série de mégaphones. Et d'hurler dedans. Il crée une onde Sonic. Sonic qui brise tous les carreaux de la ville et rend sourd tous les habitants. La scène est drôle. Oui, on va tourner. On va tourner là. Attention.
Oui, il n'y a plus qu'à espérer que la table est dispo. Contrairement à tout à l'heure. Sinon, on pleure. Bah, au pire, on a le choix du pauvre qui est le banc comme tout à l'heure, mais. Allez, on croise les doigts, il n'y a personne. Merde, il y a du monde. Ah, mais ils sont pas sur la table. Donc on va prendre le côté opposé. On va prendre le côté opposé. Et du coup, je vais filmer côté nature, pas côté des personnes qui profitent. Ah. Oula, il y a des trucs bizarres sur place. Ah, attends, je vais éteindre la perche. Alors, il y a des trucs bizarres. T'as là, pour le coup, on sera au Moyen-Âge. Ils en foutent du vacarme avec l'activité. Bon, je vais réinstaller proprement le truc en trépied. À tout de suite.